E-Tech 250. Pour E-Tech 250, aujourd'hui, je vais vous présenter l'appareil photo Nikon que vous connaissez. Donc, vous avez Attendez, j'ai un problème avec l'appareil photo, je rallume. Donc, vous voyez, vous l'allumez, vous appuyez sur ce bouton-là et ça va mettre ça dans le. Là, vous avez flash, flash automatique, flash désactivé, flash activé, voilà. Retardateur, scène, scène, choisir un titre décoré, modifier les couleurs. Modifier le son, choisir une taille, réglage appareil photo. Voilà, et là moi je vais comparer, donc vous savez qu'est-ce qu'il y a de différence entre ce petit appareil photo et les qualités. Et bien la qualité de ce petit iPod, parce que l'iPod Touch 6 est sorti après l'appareil de Nikon, parce que rappelez-vous, voilà. Allez, c'est cet appareil photo qui est de bonne qualité comme ça, voilà. 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 Et comme ça, et le flash, vous voyez, je vais vous inquiéter la photo. Voilà. Et bien la photo, elle peut être pas mal. Mais on va prendre une photo avec. On a un peu de différence entre les deux qualités. Vous avez cette qualité là. Mais c'est mieux cette qualité là. Donc c'est l'iPod Touch qui remporte avec une qualité de mieux. Donc si je vous conseille un appareil photo, soit vous achetez, vous savez, un appareil photo, vous voulez pas l'iPod Touch, c'est cet iPod là que vous prenez. Voilà. C'était E-Tech 250, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'était Photo Vidéo Film 1979.